Ta-n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 a-fa-la-la-la-la-la-la-la. Bonjour tout le monde, c'est Monsieur Steve et vous êtes chez moi aujourd'hui pour une leçon très 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 spéciale. C'est à propos de les différentes fêtes et j'adore les fêtes, j'adore célébrer, j'adore chanter, j'adore manger. Mais avant de commencer, j'aimerais bien recevoir une grande pouce en haut. Love to get a big thumbs up. Et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton de subscribe. Don't forget to click on that subscribe button. Et parents, guardians, le Père Noël, les reines, tout le monde! I've got a Patreon account. Please feel free to check that out. The link is in the description. I've also got a brand new merch store where you can get some cool Monsieur Steve swag, like a sticker or a t-shirt. Alors, mes amis, je suis si excité à partager tout avec vous. J'espère que vous allez apprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, si vous êtes prêts, je suis prêt. On va apprendre dans 1, 2, 3 et on y va. Oh, j'adore Noël. J'adore décorer la maison pour Noël. Noël, Noël, Noël. Oh, hey, Monsieur Steve! Oh, hey, salut, Dax! Qu'est-ce que tu fais? Excusez-moi, tu ne sais pas ce que je fais, mais je suis en train de décorer la maison pour Noël! Mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est Noël? Qu'est-ce que c'est Noël? Noël, c'est comme une de mes célébrations préférées! On peut décorer la maison avec toutes sortes de choses comme ça. On peut manger des bonbons, des chocolats de Noël. On peut donner des cadeaux et recevoir des cadeaux aussi. Il y a comme mille choses. Tu sais quoi? Je vais t'expliquer. Alors Dax, Noël c'est une fête magique célébrée à partir du mois de décembre. Mais il y a des personnes qui commencent à décorer au mois de novembre, comme moi. Aussi, t'as probablement vu des publicités à la télévision, publicités vidéo commercials, le jour après l'Halloween, je sais, le jour après l'Halloween, c'est fou. Oui, Monsieur Steve, je pense que tu as raison. Yeah. Le premier Noël a été célébré il y a comme 1700 ans. Wow, ça c'est beaucoup de temps, Monsieur Steve. Oui, je sais, Dax. Et la date du 25 décembre a été choisie pour commémorer la naissance de Jésus. Autant qu'il s'agit d'une célébration religieuse, Noël est fêté par plusieurs personnes et le message est universel. Les gens de toute croyance célèbrent et je vais te dire exactement pourquoi. Ok, Monsieur Steve. En Amérique du Nord, les gens ont commencé à s'offrir des cadeaux dans les années 1800. Alors, les enfants recevaient des cadeaux modestes, comme des fruits ou des bonbons. Mais pas comme aujourd'hui, alors pas de PlayStation 5. Oh, Monsieur Steve, tu es drôle. Alors Dax, as-tu jamais entendu ho, ho, ho? Oui, 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 Monsieur Steve. As-tu jamais vu un homme qui portait un habit rouge, avec une barbe blanche et un chapeau comme ça? Mais oui, absolument, Monsieur Steve. Ça, c'est le Père Noël. Et le Père Noël est très bien connu dans plusieurs pays. Alors, on sait qu'il descend de la cheminée et il dépose des cadeaux sous le sapin ou dans un bas, comme vous avez vu au début de cette vidéo, un bas de Noël près de la cheminée. Il y a plusieurs noms pour lui. En Angleterre, ou on dit en Grande-Bretagne, on dit Father Christmas et comme ici en Amérique du Nord, on dit Santa Claus. Oh, yeah, je sais ça. Yeah, absolument. Beaucoup de nos traditions ici, associées avec Noël, sont empruntées d'autres pays. Comme avoir un sapin décoré, ça vient d'Allemagne. Et les poinsettias, c'est un type de fleur rouge, ça vient du Mexique. Mais je sais que Poppy, il n'aime pas ces fleurs-là, car c'est toxique pour les chats. Alors, si vous avez des chats à la maison et des poinsettias, il faut les cacher, d'accord? Merci. Et savais-tu que... au début, on décorait les sapins avec les chaînes en papier et des guirlandes avec du maïs. Du maïs? J'adore le maïs. Oui, je sais, Dax.
Aussi, les gens accrochaient des vraies bougies dans les sapins, dans l'arbre. Monsieur Steve, ça c'est vraiment dangereux. Oui, exactement. Ça c'est pourquoi maintenant on utilise les lumières artificielles. Alors comme ça, on va pas brûler la maison. Pas tout le monde célèbre Noël de la même façon. Les enfants brisent des piñatas au Mexique, ça c'est si amusant. Oui, je sais ça. Et la table de Noël à Barbade n'est pas complète avec un grand jambon cuit avec du glaçure d'ananas et un gâteau au rhum. C'est intéressant, n'est-ce pas? Il y a toutes sortes de différentes choses que les personnes font autour du monde pour célébrer la même fête. Même avec les sapins, pas tout le monde fait la même chose. En Amérique du Nord, ça veut dire ici, on aime décorer un sapin, mais il y a des personnes qui préfèrent acheter les différents types. Il y a des personnes qui préfèrent les sapins artificiels et il y a des personnes comme moi qui préfèrent les vrais sapins. Un vrai sapin? Yeah, un vrai arbre. Mais on n'a pas un sapin. Yeah, mais Dex, j'ai pas encore acheté notre sapin. Oh, ok. Si vous célébrez Noël, moi et Dex, on aimerait bien savoir vos traditions. Alors, avec la permission d'un adulte, peut-être un professeur à l'école ou vos parents, vous pouvez envoyer moi et Dex un message, peut-être par Twitter ou Instagram. Ok, on aimerait bien savoir vos traditions. La veille de Noël est très spéciale pour plusieurs raisons. Les personnes religieuses vont à l'église pour assister à une célébration où l'histoire de la naissance de Jésus est racontée et parfois en forme de pièce. C'est très très chouette. Pour d'autres, c'est un temps pour être avec nos amis et nos familles et on parle de l'importance de la paix et de l'amour. Aussi, il y a beaucoup de familles qui vont porte en porte et chanter des chansons de Noël. J'adore ça. Mais la chose qui est le plus important, avant d'aller se coucher, les enfants laissent des biscuits, du lait et des carottes pour les reines du Père Noël. Tu as mentionné les cadeaux? Oui, Dex, j'ai mentionné les cadeaux. Alors, les gens ouvrent leurs cadeaux alors la veille de Noël ou le matin de Noël. Et on peut aller voir ce que le Père Noël a laissé sous l'arbre pour nous ou dans nos bas de Noël aussi. Alors, Dex? Oui, Monsieur Steve? Je pense que le Père Noël va te laisser du charbon cette année. Monsieur Steve, ça ce n'est pas gentil. Dex, je blague. Le Père Noël fait ça seulement pour les personnes qui ne sont pas gentilles. Même pas pour une blague, Monsieur Steve. Même pas pour une blague. D'accord, Dex. Mais Monsieur Steve, est-ce qu'il y a d'autres fêtes ce temps de l'année? Oui, absolument, Dex. Une autre fête que nous pouvons discuter maintenant, c'est la fête de Diwali. Diwali? Oui, oui, Diwali. Diwali est une fête pour les gens qui pratiquent hindou et sikh. C'est aussi une fête qui se passe au mois d'octobre et novembre. Et ça marque le début de la nouvelle en hindou. Diwali est une fête associée avec beaucoup de lumière. Au coucher du soleil, on voit très souvent des bougies qui se sont derrière les fenêtres, aussi les lampes à l'huile, et même sur les toits, et parfois, ils flottent dans les rivières, c'est si chouette. Il y a différentes légendes qui expliquent l'origine de la fête Diwali, mais une version est l'histoire du bon prince qui s'appelle Rama. Le prince vivait avec sa femme Sita. Alors, Rama et Sita ont été obligés de quitter leur royaume pour un long temps. Royaume de The Kingdom. Oh, ça c'est triste. Yeah. Et c'était pour de nombreuses années. Sita a été capturée par un méchant roi et Rama est allé à la recherche de sa femme. Il a cherché partout. Enfin, il a combattu le méchant roi et il a gagné! Wouhou! Yay! Ils se sont retournés à leur royaume et les gens étaient très 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 heureux. Le chemin de retour, pris par Rama et Sita, était illuminé par les petites lampes à l'huile qui s'appellent les Diya. Savais-tu que le mot Diwali veut dire guirlande de lumière? Je ne savais pas ça. Maintenant tu le sais. C'est aussi connu sous le nom fête de lumière. Ah, j'adore les lumières, n'est-ce pas Dax? Oui, Monsieur Steve. Alors, Diwali est célébré autour du monde où vivent les hindous. Mais comment est-ce que c'est célébré, Monsieur Steve? Bonne question, Dax. Pour Diwali, les gens nettoient leur maison
et le décorent avec des fleurs. Ils mettent beaucoup de bougies et des dias partout dans la maison. Il y a des femmes qui ont comme 1000 dias. Wow! Les filles de la famille font des dessins qui s'appellent des rangolis. Alors, ils utilisent de la peinture, du sable ou de la poudre de riz colorée pour les faire. Ils sont si jolis et si chouettes. Oh, j'adore les rangolis! Moi aussi, Dax. Et une autre chose, les rangolis sont supposés attirer la bonne chance. Je pense que tout le monde dans l'année 2020 a besoin de la bonne chance, Monsieur Steve. Oui, tu as raison, Dax. Aussi, les gens portent les nouveaux vêtements et des bijoux pour célébrer Diwali. Et comme Noël, ils donnent des cadeaux. C'est très intéressant. Les personnes achètent et donnent des cadeaux et des friandises, comme on peut dire des bonbons aussi. D'autres se réunissent, ils se sont ensemble pour un grand repas. Nom, nom, nom. Un grand repas. Et quand ils ont fini de manger, ils ouvrent leurs cadeaux, ils jouent et ils chantent. Ouh, j'aime ta voix, Dax. Et la dernière chose que je voulais dire à propos de Diwali, c'est que les feux d'artifice sont très souvent utilisés et j'adore les feux d'artifice. Ping, pong, boum! Ça, c'est tout pour Diwali. Alors, Dax, maintenant, je vais te parler à propos de Hanouka. Hanouka? Pas Hanouka, Hanouka! Hanouka? Oui, beaucoup mieux. Alors, les personnes autour du monde qui appartiennent à la religion juive célèbrent Hanouka. C'est une fête qui commémore un miracle et c'est à la fin du mois de décembre. Qu'est-ce que c'est un miracle? Qu'est-ce que c'est un miracle? Un miracle est un fait extraordinaire qu'on ne peut pas expliquer avec science. C'est alors vu comme surnaturel et attribué à une puissance divine. Oh, comme quand... Je ne sais pas, monsieur. Je ne pense pas que tu as vu un miracle dans ta vie, mais c'est possible. L'histoire est qu'il y a 2000 ans, et des gens voulaient forcer les juifs à abandonner leur religion. Ils voulaient qu'ils changent qui ils étaient et ce qu'ils croyaient. Ça, ce n'est pas d'accord. Oui, je sais, Dax, ce n'est pas d'accord. Alors, leur armée s'est emparée, et emparée veut dire « seized », un temple juif. Un temple est un endroit où les personnes peuvent prier et apprendre. C'est comme l'école? Un tout petit peu, oui. Parfois, les temples sont associés avec les écoles. Mais un groupe de juifs, connu sous le nom Maccabée, a résisté et ils ont gagné. Yay! Et ils se sont retournés à leur temple. Les Maccabées voulaient bénir le temple. Bénir, ça veut dire bless it. Mais malheureusement, l'huile dans la lampe qu'ils avaient était seulement assez pour brûler pendant un jour. Mais la lampe était allumée pour 8 jours! Ça, c'est le miracle. Attends, Hanouka est célébré pour 8 jours? Oui, Hanouka est célébré pour 8 jours. Comme Diwali? Oui, yeah, comme Diwali. Chouette. Très chouette. Durant Hanouka, chaque soir, ils allument les bougies de la menorah. La menorah est un chandelier. C'est ce qu'on utilise pour tenir les bougies. Et ça pourrait être fabriqué par main ou acheté dans un magasin. Attendez une seconde. Voilà une menorah. Ça, c'est une menorah qui a été achetée dans un magasin. Il y a les menorahs comme ça. Ça, c'est une menorah que j'ai reçue en cadeau d'un de mes élèves et je l'adore. C'est très joli, Monsieur Steve. Oui, je sais. Alors, la menorah a 8 bougies. Si vous pouvez compter, il y a 8 bougies. Il y a une bougie au milieu et le bougie au milieu s'appelle un shamash. Le shamash est utilisé pour allumer les autres 8 bougies. Mais on peut allumer seulement une bougie chaque soir. Mais la première nuit, on allume le shamash et une autre bougie. Monsieur Steve, est-ce que tu es juif? Non, Dax, je ne suis pas juif. Mais je peux vraiment apprécier les autres religions et les autres différents types de fêtes, car qui n'aime pas une fête? Bonne raison, Monsieur Steve, bonne raison. Aussi, j'adore les mets spéciaux qu'on mange pour célébrer Hanouka, comme les latkes, qui sont des crêpes aux pommes de terre, et les soufganiots. Les soufganiots, c'est un type de beignet avec la confiture au milieu, et c'est saupoudré de sucre. Mouah! C'est délicieux. Dax, as-tu
jamais entendu la chanson « Dreidel, 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 I made you out of clay ». Oui, Monsieur Steve, oui, oui, oui. Alors, beaucoup d'enfants reçoivent des petits cadeaux pendant Hanouka, comme les livres, les chocolats et les dreidels. Un dreidel, c'est un type de toupie, un spinning top, qu'on donne aux enfants. Et il y a sur chaque côté une lettre hébraïque, l'hébreu et la langue des juifs. En tout cas, jouer au dreidel est si amusant. Alors, tu tournes la toupie et quand ça tombe sur son côté, la face supérieure, la face qui regarde en haut, on va dire, te dit quoi faire et comment jouer. Hanouka est un temps pour les familles d'être ensemble, pour fêter, pour manger et pour chanter et célébrer. Moi, Monsieur Steve, j'aime bien Hanouka. Oui, moi aussi. Et maintenant, pour la dernière fête que je voulais discuter avec toi aujourd'hui, Dax, on va discuter la fête de Kwanzaa. C'est une célébration de la culture et l'histoire afro-américaine qui a été créée en 1966 par un prof afro-américain qui s'appelle Molana Karenga. Le nom Kwanzaa vient d'un ancien festival des récoltes et le mot Kwanzaa veut dire premier fruit en swahili, une langue africaine. Kwanzaa commence le 26 décembre et finit le 1er janvier. Pendant cette période de fête, les familles, oui, c'est une autre fête célébrée avec les familles, se rassemblent tous les soirs autour d'une table décorée avec les fruits, les légumes et d'autres objets. Wow, c'est très intéressant, Monsieur Steve. Ouais, je pense ça aussi, Dax. Tout le monde boit de la même coupe et la coupe est appelée la coupe d'unité. Chaque personne dit le nom d'une personne afro-américaine, quelqu'un importante, et puis il passe le coupe à la prochaine personne. Il y a aussi un chandelier, le Kinara, qui tient 7 bougies, une bougie pour chaque soir de Kwanzaa. Quelqu'un allume la nouvelle bougie chaque soir, et les bougies sont noires, rouges et vertes, les couleurs d'Afrique! Hey, cela me rappelle de la menorah utilisée pendant Hanouka. Yeah, Dax, je vois les similarités. Très bien. Le 31 décembre, c'est le jour où les familles afro-américaines se réunissent pour participer à un grand festin de Kwanzaa où ils chantent et dansent. Plusieurs familles décorent leur maison pour Kwanzaa. Ils utilisent des photos, des objets d'art et des bannières. Très chouette. De plus, certaines familles ont un arbre de Kwanzaa. Aussi, les gens échangent des petits cadeaux, très souvent faits à la main, et ils sont appelés les Zawadi. Wow, ça c'est un peu comme Noël! Yeah, exactement, Dax, c'est un peu comme Noël! Alors Dax, ça c'est tout ce que je vais te dire à propos de Kwanzaa, et les autres célébrations pour maintenant. Mais Monsieur Steve, est-ce que ça c'est tout pour les célébrations de ce temps de l'année? Non, il n'y en a plus. Mais je pense que ça c'est assez pour le moment et pour aujourd'hui, n'est-ce pas Dax? Oui Monsieur Steve, je pense ça aussi. Alors, maintenant, j'ai quelques questions à vous poser à la maison à propos de ce que vous avez appris aujourd'hui. Comment ces célébrations sont semblables et comment sont-elles différentes? Alors, comment est-ce qu'ils sont comme la même et différente? Quelles sont les décorations utilisées pour chaque fête? Ouh, bonne question, Dax. Qu'avez-vous appris à propos de les fêtes et les célébrations et les traditions aujourd'hui? Quelle fête a des feux d'artifice? Ouh, bonne question, bonne question. Quelle fête utilise des chandeliers? Et enfin, tu peux l'avoir, Dax. Tu peux avoir la dernière question. Quelle est ta fête préférée et pourquoi? Ouh, j'adore cette question. Alors mes amis, ça c'est tout pour moi et Dax aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et que vous avez appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Si oui, s'il vous plaît, donne cette vidéo un grand pouce en haut. Et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton de subscribe. And don't forget to click on that subscribe button. And parents, guardians, teachers, everybody out there if you're listening. My friends at Apprendre Francophone are doing amazing work helping out with math, language, reading, all that stuff that maybe you're having some difficulty at home, and they're there to help take the load off. So please, the link is in the description, you can check them out there. I've also got my own handy dandy merch store. If you're looking for
sticker or a t-shirt to give that special somebody around the holidays, feel free to check that out. The link is also in the description. Alors, mes amis, moi et Dex vont vous dire au revoir et à la prochaine! Au revoir, mes amis! Au revoir! Alors, Dex, juste une autre chose. Avant de partir, Oui, monsieur Sidi? J'ai un chapeau pour toi. Est-ce que je peux mettre le chapeau sur ta tête? Ok, monsieur Steve, d'accord. Voilà, beaucoup mieux. Merci, monsieur Steve. Oui. Alors, ça, c'est ce qui se passe quand tu penses que tu prends une photo. Ce n'est pas une photo, monsieur Steve. Pas du tout. La fin. À dimanche prochain, mes amis.